ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Serviteur d'Allah, mes frères et mes sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah de nous réunir pour apprendre notre religion et étudier cet épître du Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Cet épître qui est un courrier à l'ensemble de la communauté, qu'il a nommé les leçons importantes à l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire, c'est des points et des leçons que tout membre de la communauté doit connaître. On a parlé des points de la croyance et nous avons entamé les points liés à la salat, à la prière. Et nous avons parlé des conditions de validité de la prière. Qui d'entre vous peut me dire qu'est-ce que ça veut dire une condition de la prière? Une condition, c'est ce qui en son absence rend absent ce qu'elle conditionne. C'est-à-dire, si une chose qui est une condition pour une validité, par exemple, les conditions de validité de la salat, de la prière, si elle est absente, une de ces conditions venait à être manquante, la chose qu'elle conditionne, c'est quoi la chose qu'elle conditionne? La salat. La salat, la prière, serait absente, même si tu la vois, toi, de tes yeux, comme si elle était présente. Wadih? C'est ça une condition de la prière. Vous vous souvenez, on a cité les conditions de la ilaha illallah. On a cité les conditions de Muhammadur Rasulullah. C'est pareil. Dans les conditions de la ilaha illallah, de l'attestation qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, dans ces conditions-là, s'il venait à en manquer, ne serait-ce qu'une, cette attestation serait invalide. Donc là, c'est pareil. Naam. Les conditions de validité de la prière, on a commencé à en citer, on ne les a pas finies. Je crois qu'il nous restait deux ou trois conditions à citer. Je rappelle, on a cité le fait d'être musulman. Car Allah n'accepte pas la salat d'un kafir, d'un mécréant. Il n'accepte aucune de ses œuvres d'ailleurs. Être saint d'esprit, avoir atteint l'âge de raison. Je vous avais cité aussi, barakallahu fikum, que ici, on cite les avis du Cheikh Ibn Baz. Il est possible qu'il y a des points sur lesquels il y a divergence. D'autres savants voient qu'un autre avis est plus juste. Mais ici, nous on reste fidèles, Inch'Allah, à l'avis du Cheikh Ibn Baz et on explique ses avis.
Bien que moi, dans mon cœur, peut-être, je peux pencher vers d'autres avis, d'autres savants. Mais ici, je reste fidèle à ce que Cheikh Ibn Baz a dit et je l'explique. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, on a parlé d'être musulman, être saint d'esprit, avoir atteint l'âge de raison, être en état de pureté rituelle, être exempt de toute souillure, couvrir ses parties intimes, se trouver dans la plage horaire de la salat, s'orienter vers la qibla et avoir l'intention, évoquer l'intention dans le cœur. Attention, on va en parler ça, Inch'Allah. Donc on avait parlé, si je me souviens bien, des trois premières conditions. On a parlé aussi d'être en état de pureté rituelle. Est-ce qu'on a parlé... On s'est arrêté là, je pense. C'est pas grave, pour être sûr, même si on reprend une ou deux conditions, c'est pas perdu, Inch'Allah. Non. Être en état de pureté rituelle, on a parlé. L'état de pureté rituelle majeur et mineur. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il n'accepte pas la salat d'une personne qui n'est pas en état de pureté. Quelqu'un qui n'a pas fait ses grandes ablutions alors qu'il était nécessaire pour lui de les faire. Comme une femme qui s'est purifiée de ses menstrues. Comme un homme qui a eu un rapport avec son épouse. Ou une femme avec son époux. Ou comme par exemple l'ihtilam. Quelqu'un il a eu une éjaculation. Donc il faudra obligatoirement qu'il fasse le rousl. Et l'état de pureté mineur, c'est le fait de faire le wudu, les ablutions, quand quelqu'un a besoin de les faire, c'est-à-dire dès qu'il a perdu les ablutions, que ce soit par un sommeil, que ce soit... On va voir tout ça, les ablutions, on va en parler, Inch'Allah. Voyons. Le fait de se trouver dans la plage horaire de la salat. On en a parlé, ça? On en a parlé, je me souviens. Al-Muhim, la plage horaire, les horaires de salat, il y a un début et un fin de l'heure. Et une fin de l'heure. On doit obligatoirement faire la salat dans cette plage-là. Allah tabaraka wa ta'ala a désigné, il t'a demandé de faire salat à un moment précis. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Tu ne peux pas la faire avant, tu ne peux pas la faire après. La faire avant, ça rend ta prière caduque, invalide, comme si tu ne l'avais pas prié, par consensus. La faire après, certains savants parmi les muhakkikin, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et Cheikh l'Uthaymin, rahimahumullah, ils voient que même la faire après, c'est le même statut que la faire avant. Ta prière, elle est invalide. Certains autres voient que tu es pécheur, tu as fait un grand péché, car tu as laissé leur... de la prière sortir, mais tu devras faire le qada. Tu devras quand même la rattraper. Non. Ça, on en a parlé. La prochaine condition, c'est le fait de couvrir ses parties intimes et tout ce qui doit être couvert dans salat. Est-ce que ça, on en a parlé? Vous vous souvenez? De ce qui est obligatoire à couvrir pour la femme et pour l'homme? On va y venir. Ce qui est obligatoire à couvrir, barakallahu fikum, dans la salat, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire les règles de la nudité dans la salat, ce n'est pas obligatoirement les mêmes règles en dehors de la salat. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a certains savants qui voient que l'obligation pour la femme dans la salat, c'est de couvrir tout, sauf le visage, les mains et la divergence sur les pieds, pour dans la salat, on ne parle pas d'en dehors de salat. Pourtant, ils vont dire qu'en dehors de salat, elle devra se couvrir le visage, les mains et les pieds. C'est clair? Sa nudité devant ses maharim, devant ses proches, ils ont une limite autre que ce qui est dans salat. Sa nudité devant les femmes musulmanes, c'est autre chose. Sa nudité devant son mari, c'est autre chose. Donc, il y a des règles spécifiques selon la personne qui est en face et selon la situation. Et il ne faut pas croire que quand on dit la nudité d'une femme dans la salade, c'est telle et telle chose qui doivent être couvertes, sauf telle et telle chose, par exemple, qu'obligatoirement, cela veut dire qu'on accepte qu'en dehors de salade, elle soit habillée de cette manière-là. Vous comprenez? Ça, c'est important à comprendre cette différence-là. Là, on va parler de la nudité de la femme dans la salade. Qu'est-ce qu'elle doit obligatoirement couvrir
dans Salat. Elle doit couvrir obligatoirement tout son corps, sauf le visage. Quelles sont les limites du visage? De la fin du front, du haut du front, le début, d'où poussent les cheveux, jusqu'au menton, en longueur. Et de l'oreille, de la fin de l'oreille, c'est-à-dire l'oreille, elle fait partie de la nudité à cacher. Donc, de après l'oreille jusqu'à la prochaine oreille de l'autre côté, en largeur. Voilà les limites du visage. Donc, une femme, quand elle fait salat, il n'y a que ça de son visage qui doit apparaître. Ni une partie de ses cheveux, ni une partie de ses oreilles, ni une partie du dessous de son menton, là, le dessous. Souvent, les femmes, elles mettent le hijab jusqu'au cou. Non, ça doit être mis au menton pour salat. Ce qui est en dessous, là, ça fait partie de la nudité à cacher. Ce qui est sous le palais, sous le menton. Barakallahu fikum. Et ça, que ce soit dans salat ou en dehors de la salat, pour ceux qui ne voient pas que c'est obligatoire pour la femme de se couvrir le visage. Même pour eux, ils disent que ça doit être caché en dehors de salat. Par un vêtement large, non transparent. On parle pour la salat. Si c'est dans la maison, elle est avec sa famille, s'il est d'une couleur attirante, ça ne dérange pas. Mais si c'est à l'extérieur, ça pose un problème. D'accord? S'il est un vêtement parfumé dans la maison, ça ne dérange pas. Mais ce vêtement, il lui sera interdit de le porter à l'extérieur. Si c'est un vêtement d'apparat, c'est un vêtement avec lequel on veut se différencier des autres. On veut se différencier des autres, se donner une valeur. C'est ça un vêtement d'apparat. À l'extérieur, c'est interdit. Si elle est seule à la maison, seule, ça ne dérange pas. Donc il y a des conditions en dehors de la maison qui sont en plus que ceux qu'il y a dans la salat si la personne elle est entre elle et Allah tabaraka wa ta'ala seule. Si par exemple entre elle et Allah ta'ala dans sa chambre, dans sa maison, elle a un djilbab rose, elle peut prier avec un djilbab rose à la maison. Mais elle ne peut pas prier avec ça, elle ne peut pas sortir avec ça à l'extérieur. C'est clair? Non. Ça c'est pour toute fille pubère. Dès qu'une fille, elle devient pubère, elle devra obligatoirement porter cela pour faire salat. Avant cela, on l'habitue. Si par exemple, avant cela, avant qu'elle soit pubère, quand elle a 7 ans, 8 ans, elle prie avec nous. On l'appelle à la salat. On ne lui dit pas de prier sans hijab. Mais les conditions sont allégées. Si son hijab il est un peu serré, si elle a une robe ou quelque chose qui n'est pas tout à fait large comme une femme, elle devrait porter. Quand elle est petite, on peut. Les conditions sont allégées. Mais on lui enseigne. On lui enseigne de s'habiller correctement pour salat. On lui enseigne aussi, on commence à lui enseigner de s'habiller correctement quand elle sort. Non, on n'attend pas qu'elle soit pubère pour dire « Allah, c'est maintenant que tu fais tout ». Tout ça, ça s'éduque. Est-ce que quelqu'un, un enfant avant d'être pubère, ce n'est pas obligatoire pour lui de faire salat? Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de l'appeler à faire salat à 7 ans. Et que s'il ne veut pas t'écouter à 10 ans, tu peux le frapper pour cela, l'éduquer. Pourtant, il n'est pas encore pubère, il n'est pas encore responsable de ses actes. Mais il faut l'éduquer, il faut lui enseigner. Quelqu'un qui grandit sur une chose, après il reste, alhamdoulilah, il est éduqué, il reste sur cette chose-là. De même, les filles, il faut leur enseigner, les garçons, à bien se couvrir, que ce soit dans salat, hors salat, les conditions, etc. Ça, c'est en ce qui concerne les filles. En ce qui concerne les garçons, l'obligation, c'est de couvrir du nombril au genou et d'avoir quelque chose sur les épaules. Il ne doit pas avoir les épaules nues pendant salat. Bien que ses épaules ne font pas partie de la nudité en dehors de salat. Mais ça ne convient pas. Un homme, ça ne convient pas qu'il se balade les épaules nues dehors. C'est un manque de politesse, c'est un manque de moro'a. Mais on ne pourra pas dire qu'il a... Si par exemple son épaule se découvre, ou pour une raison ou pour une autre, il a dû changer de vêtements dehors et on voit son épaule, il n'y a pas de mal. C'est pas, il n'aura pas découvert sa nudité. Par contre, dans salat, les épaules doivent être obligatoirement couvertes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, ne prie pas sans avoir quelque chose qui couvre tes épaules. Regardez. Donc voilà en ce qui concerne l'homme. Pareil, il doit avoir un vêtement large et non transparent.
S'il met un pantalon transparent pour faire salat, déjà le pantalon, il est peut-être pas assez large pour couvrir ses parties, et couvrir ses cuisses, et couvrir son derrière. Dès qu'il va faire les inclinaisons et les prosternations, on voit tout ce qu'on ne doit pas voir. Donc il doit mettre un vêtement large, quelque chose qui cache ces parties-là, barakallahu fikoum. Non. C'est pour ça que le qamis, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà en ce qui concerne ce que l'homme doit porter comme vêtement dans la salat. En ce qui concerne donc la femme, on n'a pas parlé des pieds. Est-ce qu'elle doit mettre des chaussettes? Elle ne met pas de chaussettes. Les chaussettes, ça ne sert à rien. Elle met un vêtement long qui tombe jusqu'au sol. Elle peut mettre des chaussettes à l'extérieur en plus de son vêtement long au cas où le vêtement se lève. Pour pas qu'on voit ses pieds. Parce que les pieds, ça fait partie des choses à cacher à l'extérieur de la maison. Mais par contre, dans salat, elle qu'elle ait un vêtement qui tombe jusqu'au sol, qui couvre ses pieds, Inch'Allah. C'est ce qu'il y a de mieux. Barakallahu fikoum. Il y a des hadiths en cela. Il me semble qu'on les a cités tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmad, Nasa'i. Allah tabarak wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme qui ne se voile pas durant sa prière. Et aussi, avant ça, Allah ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ô vous, fils d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure. C'est-à-dire, embellissez-vous, mettez vos vêtements, portez votre parure. Dans chaque lieu de prière, ici, Allah ta'ala, il parle de la salat en elle-même. L'endroit où on fait la salat, en fait, il vise en cela la salat en elle-même. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, l'Hafid Ibn Abd al-Barr, a dit que les savants sont d'accord, il y a consensus, que la personne qui prie nue, alors qu'elle peut se couvrir, sa salat est invalide. Non. La septième condition, c'est le fait de se débarrasser de la souillure, des impuretés, de tout ce qui est considéré comme impureté. Que ce soit sur le corps, sur les vêtements que l'on porte, ou sur l'endroit où l'on prie. Allah tabarak wa ta'ala, donc il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wathiyabaka fatahhir » et tes vêtements purifiés. Non. Et la souillure, barakallahu fikum, c'est quoi la souillure? C'est tout ce qui est considéré comme najis, comme impur, juridiquement parlant. Parfois, certains, ils exagèrent. Il a, par exemple, fait un travail, parce qu'il a sué ou parce qu'il a un petit peu de terre sur lui, il ne fait pas sa prière à l'heure. Il dit, non, moi, je ne suis pas pur, je suis sale, je ne peux pas prier. Non, tout ça, ce n'est pas des impuretés. C'est clair que c'est mieux d'être propre. Mais prier avec de la terre sur soi ou en sueur, la prière, elle est valide. Si quelqu'un, il n'a pas le choix, il est en train de travailler, il a besoin de faire sa salate, est-ce qu'il va attendre de rentrer chez lui le soir, faire une douche pour faire salate? Non. Il va faire les ablutions, il va prier dans l'état dans lequel il est, Inch'Allah. Wadih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Asma concernant le sang des menstrues qu'elle frotte le vêtement, l'essore, puis le rince et le revête pour prier. Donc, il lui a demandé de nettoyer ce sang-là qui est sur le vêtement avant de prier avec. Pourquoi? Car c'est une impureté. Donc, toutes les impuretés, que ce soit l'urine, que ce soit les excréments, que ce soit le sang des menstrues, le sang versé, il y a divergence, est-ce que le sang versé, il nuit ou non? Est-ce que le sang de l'être humain, par exemple, qu'il coule de lui-même, est-ce que c'est une impureté ou non? Sur ça, il y a une divergence entre les savants. Certains voient qu'il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam al-ahwat. Le plus sûr, c'est que dès qu'il y a du sang, on le nettoie, tant qu'on en a un peu plus que la taille. À l'époque, vous vous souvenez des pièces de 5 euros? Voilà, 5 francs. 5 francs, voilà, la taille d'une pièce 5 francs. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont dans les archives. C'est comme ça, à peu près. Hein? Ça s'appelle dirham al-baghli. Dirham al-baghli. Les fuqaha, ils parlent de ça dans les livres de fiqh. Dirham al-baghli. C'est-à-dire la taille de la tache qu'il y a sur
un berl, comment on dit le berl en français? Je sais pas, un cheval, un poney. Barakallahu fik. Voilà. Les poneys, ils ont une tache sur leur, proche de leur sabot. Bah, cette tache-là, à peu près, il y a une tache comme ça, une taille. Ils ont dit, voilà, quand ça dépasse cette taille-là, il faut obligatoirement le nettoyer. À la kulli hal, on a dit qu'il y avait divergence sur ce sujet-là. Mais Inch'Allah, dès qu'on a du sang en quantité plus que cela, même si c'est éparpillé et le tout fait plus que cette taille-là, on le nettoie, Inch'Allah. Il vaut mieux prendre la sécurité pour ces adorations. Barakallahu fikoum. Parmi les conditions de validité de la salat, c'est le fait de se tourner vers la qibla. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Et tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et vous connaissez tous l'histoire où le prophète alayhi salatu wassalam, au début, il priait en direction de Al-Quds, de Jérusalem. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de prier en direction de la Mecque, de la Kaaba. Et en direction de la Kaaba, et certains justement, parmi les juifs qui le suivaient juste pour cela, c'était une épreuve pour eux. Quand la direction a été changée par Allah, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu les éprouver. En fait, tant que les ordres religieux étaient conformes à leur passion, ils obéissaient. Le jour où les ordres religieux n'étaient plus conformes à leur passion, ils désobéissaient. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui chez beaucoup de musulmans qui veulent faire la religion conformément à leur passion. Quand leur passion, quand les ordres religieux vont dans le sens de leur passion, ils les suivent. Et quand les ordres religieux ne vont pas dans le sens de leur passion, ils s'en détournent. Et le pire, ce n'est pas seulement de s'en détourner, parce que quelqu'un, il peut délaisser. Il est pécheur, il est manquant, mais il reconnaît son erreur. Mais le pire de tout cela, c'est quand il renie et quand il veut valider absolument sa manière de penser pour laver sa conscience. Ça, c'est beaucoup plus grave. Car quelqu'un qui fait des erreurs, qui pêche, qui est transgresseur et qui le reconnaît, on espère qu'il se repentira un jour. Au moins, il reconnaît qu'il est manquant vis-à-vis d'Allah. Alors qu'une personne qui valide ses actes, absolument, pour ne pas avoir mauvaise conscience, celui-là est dans un danger grave. Et c'est comme ça que la bid'a, que l'innovation naît. Et c'est comme ça qu'on suit justement le chemin des passions et que les divisions arrivent dans la communauté de l'islam. D'ailleurs, il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les tentations sont présentées au cœur comme les branches d'une natte sont présentées les unes à l'autre pour former une natte en paille. Et il y a face à ces tentations-là deux réactions, deux cœurs. Un cœur solide qui est aussi solide et aussi ferme que Safa. Safa, le mont Safa qui était lisse, une roche lisse. Rien comme impureté ne peut s'y accrocher. Donc celui-là, il repousse ce mal-là et ses tentations et il ne les suit pas. Et son cœur, il est blanc. Et un cœur qui suit ses passions, qui suit ces tentations-là, et qui, justement, en les suivant, son cœur devient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « karran », comme du goudron. Il y a un cadenas dessus. Et dans ce hadith, il dit, il est comme le verre renversé. Un verre. Si tu le mets à l'envers, est-ce que tu peux mettre quelque chose dedans comme liquide? Rien. C'est-à-dire même tu verses des tonnes de liquide, il ne restera rien dans le verre. Un cœur qui est devenu noir, il entend le bien, il entend la guider, mais il n'accepte rien. Illa ma ushriba min hawa, comme il dit dans le hadith. Sauf, et il ne reconnaît pas le bien et ne le suit pas. Et il ne reconnaît pas le détestable. Mais sauf ceux qui suivent ses passions. Sauf ceux qui vont en concordance avec ses passions. Nas'Allah salamata wa l'afia. Pourquoi on a expliqué ça? Pour l'histoire de la Qibla. Comment les juifs n'ont pas voulu suivre la Qibla qu'Allah leur a imposée, qui était Al-Ka'ba, Al-Musharrafa. La Qibla, barakallahu fikum. Qibla, c'est direction. C'est-à-dire, c'est la direction de la salat. Pour ceux qui habitent
ceux qui sont dans la mosquée sacrée de la Mecque, ils sont obligés de prier vers la Kaaba. Vers la Kaaba. Ceux qui sont en dehors de l'enceinte de la mosquée, ils sont obligés de prier vers la mosquée. Ceux qui sont en dehors de la ville de la Mecque, ils sont obligés de prier vers la ville de la Mecque. Voilà comment ça se passe. Ceux qui sont à l'intérieur de la mosquée, ils doivent obligatoirement être dirigés vers la Kaaba. Ceux qui sont en dehors de la mosquée, ils doivent être dirigés vers la mosquée. Et ceux qui sont en dehors de la ville, ils doivent être dirigés vers la ville, vers Mecca. La direction de la Qibla, ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose de précis au centimètre près. Dans l'aya, dans le verset, Allah tabaraka ta'ala dit « Fawallu wujuhakum shatra » Wa shatra, c'est la direction en général. « Nahwahu » Ce n'est pas une direction précise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de Médine, entre l'est et l'ouest, il y a une qibla pour vous. Pourquoi? Parce que les gens de Médine est où par rapport à la Mecque? Au nord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné 180 degrés. Tout ça, c'est qibla pour eux. De l'est à l'ouest. Donc si tu as une direction, bien sûr, tu ne cherches pas exprès à t'en dévier. Mais tant que la personne, son buste, il est en direction, son buste, il ne change pas de direction, il est en direction de la Mecque, alors sa salat, inshallah, son corps et son buste, sa salat est valide. Si quelqu'un ne sait pas où est la direction de la Mecque, yajtahid, il fait l'effort pour chercher sa direction. Comment il fait l'effort? Ou en demandant à des musulmans autour de lui, ou en connaissant les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, ou en regardant le soleil et en essayant, si quelqu'un il connaît les khabir, il connaît comment retrouver les points cardinaux avec le soleil à des moments de la journée, il le fait, ou certains ils font même ça avec la mousse qui est sur les arbres, el-muhim, il fait son effort. Ça c'est ces techniques que je donne, c'est pour les gens à l'époque, je vais vous donner les techniques d'aujourd'hui, vous regardez la direction vers lesquelles sont les paraboles. Les paraboles, elles sont en direction de la Mecque. Non, c'est en France, les paraboles, elles sont en direction de la Mecque. Elles sont vers sud-est. Parce que les gens, ils comprennent pas la mousse, le soleil. Personne ne me comprend ici. Donc, je vais vous donner des choses que vous comprenez. Les paraboles. Barakallahu fikoum. Si vous êtes dans une ville, en général, les paraboles, elles sont dirigées vers le sud-est. Donc, c'est, Inch'Allah, la direction de la Mecque. Wadih. La personne qui a fait l'effort, Inch'Allah, pour trouver la Qibla, qui a commencé sa salat, si pendant sa salat, il se rend compte qu'il s'est trompé, ou qu'un musulman lui dit « tu te trompes de direction », ou qu'il le tourne, il est obligé de changer de direction en pleine salat. Et sa salat, elle est valide. Si par contre, il a fini la salat, et il se rend compte qu'il s'était trompé de direction, mais à condition qu'il avait fait tous les efforts pour trouver la bonne direction, sa salat est valide, il n'aura pas à la recommencer. Par contre, s'il n'a fait aucun effort, il est rentré dans un endroit, il dit « Ah, ma'alèche, allez, je prie. Allahu Akbar. » Sans chercher, sans demander, sans essayer vraiment de chercher où est la Qibla. Et qu'on lui dirige, qu'on lui dit après cela qu'il s'est trompé de Qibla, là, dans ce cas-là, il est obligé de la recommencer. Le seul qui est excusé, c'est celui qui a fait l'effort de la trouver et qui s'est trompé. Voilà en ce qui concerne la direction de la Qibla. La prochaine condition, c'est « Niyya », l'intention. L'intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit « Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li-kulli imri'in ma nawa » Les actes ne sont valables que par les intentions et chacun ne sera rétribué que selon l'intention de ce qu'il a eu, selon l'intention qu'il avait. Donc l'intention, c'est une condition de validité de la salat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui se lève comme ça, il fait des gestes sans intention. Toutes les autres conditions, elles sont là. Il a les ablutions, l'heure de salat, elle est rentrée, tout. Il dit Allahu Akbar, mais il n'a pas mis l'intention dans son cœur de prier. Juste il fait des gestes comme ça, ou il s'entraîne, ou je ne sais pas quoi. Sa salat, elle ne sera pas valide. L'intention aussi, elle doit être précisée. Par exemple, tu dois préciser que tu fais dans ton cœur que tu fais une prière obligatoire ou surrogatoire. Tu te lèves, tu pries. Allahu Akbar, je prie. Dans ton cœur, par exemple, tu dis, je prie, je fais la prière.
Est-ce que ça compte comme une prière dhuhr? Même si tu as fait 4 rak'at, ça compte ou non? Non. Il faut que dans ton cœur, tu aies l'intention que ce soit une prière obligatoire. Et c'est celle de dhuhr que tu es en train de prier. C'est clair? Et l'intention, elle est avant l'acte. Avant l'acte. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il s'est levé, il a mis l'intention de faire la prière de l'Asr. Allahu Akbar. Il commence à réciter, d'un coup il se rend compte qu'il n'avait pas prié la prière de dhuhr. Est-ce qu'il peut changer d'intention en pleine prière? Oui ou non? Pourquoi non? Mais en pleine prière maintenant, il vient de dire Allahu Akbar, il a commencé le Fatiha, il dit, j'ai pas prié de dhuhr. Ya Allah, je change mon intention, je fais dhuhr là. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Hein? Non, pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, en changeant d'intention, il vient de couper sa prière. Il a invalidé sa prière, parce qu'il a coupé l'intention de ce qu'il avait mis auparavant. Donc sa première prière est invalide. C'est clair? Et deuxièmement, la deuxième prière, elle est invalide aussi, sa première, c'est-à-dire l'intention de dhuhr. Donc dhuhr, elle est invalide. Pourquoi? Parce qu'en changeant d'intention, il a coupé l'intention qu'il avait. Et en coupant l'intention, il est sorti de salat. Il l'a annulé. C'est comme s'il l'avait effacé. Et en mettant l'intention de l'asr, elle n'a pas été prise en compte. Pourquoi? Parce que l'intention doit être mise avant d'entrer dans l'action. Avant d'entrer dans l'action. C'est clair? Donc cette personne-là, qui est dans ce cas-là, il a deux choix. Ou bien s'il est avec la prière, il est en groupe, alors il finit l'asr, tout simplement. Il ne change pas d'intention. Et comme, quand il aura fini l'asr, il se lève et il prie dhuhr. Et il n'aura pas besoin de refaire l'asr. Car ça, c'est une raison valable de ne pas suivre le tertib, l'ordre. Parce qu'il est dans une prière en groupe. Le seul cas où la personne peut changer d'intention dans la prière, c'est quand il passe d'une intention précise à une intention absolue. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un, Allahu Akbar, il est rentré dans l'intention de faire le witr. D'accord? Mais, dans son cœur, une fois qu'il était dans la prière, dans son cœur, il s'est dit, je vais encore prier un peu. Je ferai le witr plus tard. Ou je vais laisser le witr pour la fin de la nuit. Inch'Allah, je vais me lever. Il peut, en pleine prière, changer d'intention et dire, ce witr-là, je le transforme en nafl mutlaq, en une prière surrogatoire absolue. Pourquoi il peut faire ça? Parce que le witr, ça rentre dans la famille de la salat et de le nafl. Quand il a mis l'intention de le witr, sous-entendu, il avait l'intention de faire une prière surrogatoire. Sous-entendu, il avait l'intention de prier. Donc après, quand il l'a rendu en prière, comme ça, générale, absolue, il n'a pas en vérité... il n'a pas en vérité mis une intention qui n'existait pas auparavant, dès le début de la prière. Il n'a fait que changer ce qui était précis en quelque chose de plus général qui était déjà dans son intention, qui était l'intention de prier une prière surrogatoire. C'est clair? Ça, c'est faisable. Pareil, quelqu'un qui rentre à la mosquée, il met l'intention de faire deux rak'at sunnat al-fajr, les deux rak'at de sunnat de l'fajr, après l'adhan. En pleine prière, il se rappelle qu'il les a déjà faites à la maison. Après l'adhan, il les a faites chez lui, après il est venu à la mosquée. Il a oublié. Celui-là, pareil, il pourra changer d'intention et mettre que c'est niya de faire une salat mutlaqa. Un nafl mutlaq. Une prière surrogatoire générale. Et ça prendra, inshallah, la récompense des deux prières de salutation de la mosquée. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Car les prières de salutation de la mosquée, elles ne demandent pas une intention précise. Il suffit de prier avant de s'asseoir. Peu importe ce que l'on prie. Non. Est-ce que c'est clair pour vous en ce qui concerne l'intention? Il y a encore d'autres choses, il y a beaucoup de mabahith, il y a beaucoup de recherches sur ce qui concerne l'intention. L'intention, barakallahu fikoum, l'intention de l'imama et l'intention d'être en jama'a ou en groupe ou seul. Par exemple, quelqu'un, il commence la prière seul. Quelqu'un le rejoint. Donc maintenant, il change d'intention en pleine prière. Il rajoute l'intention qu'il fait imam, qu'il est en groupe. Qu'il prie en groupe. D'accord? Ça, il n'y a pas de mal. Car la prière en groupe, le fait d'avoir l'intention de prier en groupe ou de prier seul, ce n'est pas quelque chose qui fait partie intégrante de la prière même. C'est quelque chose en plus.
Donc ça ne nuit pas à l'intention, Inch'Allah, de changer cette intention-là. Comme une personne aussi qui était en groupe, après qui met l'intention de passer seule, pour une raison valable. Pour une raison valable. Je vais vous donner une raison valable. Tu commences la prière derrière un imam. Tu connais pas. Allahu Akbar. En pleine prière, il récite la Fatiha comme il chante une chanson. C'est-à-dire, il ne sait pas réciter la Fatiha. Il fait des fautes graves. Tu te rends compte que les piliers de base de la salat, il ne les fait pas. Ou bien, le ruku, il ne sait pas se tenir dans le ruku déjà. Tu as deux choix. Ou tu sors de la prière, tu pars, tu pries seul. Mais si tu penses que ça peut faire une fitna, tu changes d'intention, tu mets l'intention de prier seul. Même si en apparence tu pries avec cet imam, mais tu fais tout seul. Tu récites tout, tu fais tout, même si c'est en même temps que lui. Mais toi, tu as l'intention de prier seul pour que ta salat elle soit valide. Wadih ? Ça, c'est une raison valable. Tu peux le faire, ça. Un autre cas, passer de imam à ma'moum. Passer d'imam à fidèle qui suit l'imam. C'est arrivé au temps du prophète, alayhi salam. Quand Abu Bakr, il présidait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, il s'est levé, quand ils l'ont vu, ils l'ont devancé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé assis, et Abu Bakr à côté de lui, debout. Et les gens, Abu Bakr suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens suivaient Abu Bakr. Donc Abu Bakr avait l'intention de l'imam, il a changé d'intention en pleine prière, et il est devenu ma'moum. Il est devenu quelqu'un qui suit l'imam. Ça aussi c'est possible, Inch'Allah. Voilà ce que l'on peut dire sur l'intention. Il y a encore des choses à dire, mais ça, c'est ce que, Inch'Allah, les cas que vous trouvez autour de vous, Inch'Allah. Voilà les conditions de la salat. Donc, les conditions, comme vous vous rendez compte, c'est des choses qui sont en dehors de la salat. Ce n'est pas des choses qui font partie intégrante de la salat. C'est tout ce qui est avant salat. Comment se préparer, tout ce qui fait partie de la préparation pour salat et avant la salat. C'est pour ça que l'intention, elle a été comptée dans les conditions. Regardez. Maintenant, on va parler d'un autre point, et en vérité de deux autres points. Dans la salat, il y a des obligations. Écoutez bien, je veux que vous compreniez ce point. Dans la salat, il y a des obligations. D'accord ? Il y a des actes obligatoires et des actes surérogatoires, en plus. Les actes obligatoires, celui qui les délaisse intentionnellement, sa prière, elle est invalide. Les actes surérogatoires, celui qui les délaisse intentionnellement, sa prière, elle n'est pas invalide. Il aura moins de récompense que quelqu'un qui les fait. Ça, c'est clair. Maintenant, on va entrer un peu plus dans le détail. Dans les actes obligatoires, il y a deux sortes d'actes obligatoires. Il y a des actes qui sont des actes obligatoires, mais qui sont des piliers de la salat, et d'autres actes qui sont aussi des actes obligatoires, mais qui ne sont pas des piliers de la salat. Pourquoi cette différence? Et pourquoi les savants ont fait cette différence? Tout simplement parce qu'un pilier, s'il n'est pas fait, toute cette raka, toute cette unité de prière, elle est nulle. Et on ne peut pas le rattraper par autre chose. On ne peut pas rattraper un pilier manquant, par exemple, par deux prosternations. C'est impossible. Un pilier manquant, on le rattrape que par ce qu'il manque. On est obligé de refaire ce qui a été fait. Alors qu'une obligation qui n'est pas un pilier, si quelqu'un l'a délaissé par oubli, il pourra les rattraper avec deux prosternations de réparation. Quelle est la preuve dans la sunna de différencier ces deux actes obligatoires de la salat? La preuve, barakallahu fikum, c'est quoi? C'est que quand les savants ont regardé la généralité de tous les actes de la salat, ils se sont rendus compte que certains actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ces actes étaient délaissés, ou quand quelqu'un les délaissait, ou si lui-même il les avait délaissés, il les rattrapait, il les refaisait. Et d'autres actes, ils se sont rendus compte qu'à la place de les rattraper, il se suffisait de faire deux prosternations. Donc ils ont vu qu'il y avait des différences entre deux actes obligatoires. Ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait qu'il fallait obligatoirement rattraper, et ceux qu'il jugeait qu'il se suffisait
de faire deux prosternations de réparation pour les rattraper. D'où la différence entre ces deux actes, les piliers et les obligations d'un salat. Vous allez trouver dans certains madahib, dans certaines écoles juridiques, aucune différence entre ces deux-là. Ils mettent les obligations de la salat dans un chapitre. C'est tout. Comme chez le Malikiya, comme vous allez trouver aussi chez l'Ahnaf. Ils mettent les obligations de la salat. Ils ne vous différencient pas les piliers des obligations. Mais le fait de ne pas faire cette différence, c'est une erreur parce qu'ils n'ont pas les mêmes degrés et les mêmes statuts. C'est clair? Les deux sont obligatoires à faire. Mais certains font partie intégrante de la prière et font partie de la définition même de cette salat. S'il en venait à en manquer un seul, toute cette unité de prière ou toute cette salat, elle est nulle. Alors que les obligations en dehors des piliers, s'il en venait à en manquer un, on peut le rattraper avec deux prosternations de réparation. C'est clair? Et là, donc, quand vous avez compris ça, Inch'Allah, on va citer les piliers. Après, on va citer les actes obligatoires de salat. Les piliers de la salat. Premièrement, se tenir debout, si c'est possible. Prononcer Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Réciter Surat Al-Fatiha. Faire le recours, s'incliner. Se relever après le recours, après l'inclinaison. Se prosterner sur les sept membres. On va voir quels sont les sept membres. Se relever de la prosternation. Se tenir assis entre les deux prosternations. Faire preuve de quiétude dans chaque mouvement. At-tuma'nina. C'est-à-dire qu'il faut une pause dans chaque mouvement qu'on fait. Wadih. Accomplir tous ces actes-là dans l'ordre. Et le fait de réciter le tashahhud final. Tashahhud final, pas celui du milieu. Le dernier. Dans Subh, il y en a qu'un, le dernier. Réciter le tashahhud final assis. Accomplir les deux salutations finales. Le Cheikh Ibn Baz, il a rajouté une condition. Le fait de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il considère que c'est une condition de la salat. On a dit qu'on restait fidèle à son avis. Bien qu'Allahu a'lam, le plus juste c'est que c'est une sunna. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit en plein jour, on va dire de haute voix. Il ne l'a pas ordonné, sauf quand les compagnons lui ont demandé. Donc si une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseignée aux gens avant que les gens lui demandent, ça prouve que ce n'est pas une obligation. Sinon, il leur aurait enseigné avant même qu'ils demandent. Wallahu a'lam. Mais l'avis de Cheikh Ibn Baz, c'est que c'est un pilier. Le premier pilier, on a dit le fait de se mettre debout. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc ça, c'est un ordre d'Allah de se mettre debout. Et aussi dans le hadith de Imran, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, salli qa'iman, prie debout. Et il y a consensus des savants sur cette condition, que la prière, elle doit se faire obligatoirement debout lil qadiri, pour celui qui est capable. La personne qui ne peut pas se mettre debout pour un handicap, pour une douleur, celui-là, il est ma'dour. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, prie sur le côté. Il a bien dit, si tu ne peux pas. Donc il faut l'incapacité de se mettre debout pour prier assis. Et l'incapacité de prier assis pour se mettre sur le côté. Ça, on parle des prières obligatoires. Après, on verra pour les prières surrogatoires. Il n'a jamais été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a prié une prière obligatoire assis, sauf pour une raison où il avait les pieds coupés. Tranché, il avait mal aux pieds, il a prié assis, ou quand il était malade à la maladie qui a causé sa mort. Mais de son choix, alors qu'il était capable de prier debout, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié assis, même pas en voyage. Ceux qui vous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis en voyage, c'est les nafilas, c'est les prières surrogatoires.
Pendant le voyage, ils s'arrêtaient tous, ils descendaient de sa monture, ils priaient tous debout. Les prières obligatoires. Intabihu. Attention à ceux qui viennent vous raconter des salades, qui vous disent qu'on peut prier assis en voyage. Ça n'existe pas. Non. Donc ça, c'est la première condition. Pour les prières surrogatoires, barakallahu fikum, il est permis à une personne sans raison valable de prier assis. Mais il aura la moitié des récompenses d'une prière debout. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Par contre, s'il prie assis pour une raison valable, il aura ses récompenses complètes. S'il était, si vraiment il est trop fatigué pour une prière surrogatoire ou il a des douleurs, ou, etc., il peut prier assis. Mais même quelqu'un, même sans raison valable, comme ça, il sait que par exemple, s'il ne prie pas assis, il ne va pas prier. Il se dit, Allah, je prie assis, j'ai la moitié de la récompense, c'est mieux que rien. Et il prie des prières surrogatoires, comme ça. La ishkala fi dhalik, il y a un hadith sahih sur ça. Il y a un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des prières surrogatoires, a dit que la prière assise a la moitié de la valeur de la prière debout. Vous même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté qu'il a prié après, dans la nuit, il a fait les prières de nuit, et après il a fait 2 rak'at assis. Alors qu'il avait prié toutes les prières avant debout. Il a fait 2 rak'at assis, et après il a fait 2 rak'at sunnah de Fajr, une fois que l'heure de Fajr est rentrée. Non. En voyage, il est permis de prier sur sa monture. Les prières surérogatoires, non obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait sur sa monture. Au début, il mettait la monture en direction de la Qibla. Après, il l'a laissé aller dans la direction qu'elle voulait. Il priait sur sa monture. Ça, il n'y a pas de mal. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Le second pilier de la salat, c'est takbiratul ihram. La formulation de sacralisation, le fait de dire Allahu Akbar. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih, rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed, et aussi l'imam Darami, il a dit Miftahu salati tahur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière est la purification rituelle. Sa sacralisation est le fait de dire Allahu Akbar et sa conclusion est la salutation finale. Taïm, est-ce qu'on peut dire autre chose que Allahu Akbar? Si quelqu'un dit Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu A'az, est-ce que sa prière elle est valide? Non, parce qu'il aura fait une bid'a, une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, ni les sahaba. Donc, il lui est imposé de dire exactement la même formulation que le prophète alayhi wa sallam il a utilisé pour commencer sa salat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit à celui qui a mal fait la prière, Moussi al-Salah, celui qui est venu, il a prié rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit va prier car tu n'as pas prié. Il est revenu une deuxième fois, va prier, tu n'as pas prié, une troisième fois. Il a dit à Rasulallah, c'est la seule manière que je connais. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné les choses essentielles de la salat. C'est pour ça que beaucoup de savants se basent sur ce hadith pour reconnaître les piliers et les obligations de la salat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son travail c'est el-bayan, d'exposer la vérité. Il ne peut pas taire une chose obligatoire quand c'est le moment de l'exposer. Si cette personne qui est ignorante, il ne connaît pas une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas taire une chose obligatoire alors que c'est un moment où les gens ils ont besoin, la personne, il faut lui exposer. Donc il lui a dit, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. Il lui a dit, quand tu veux te lever pour faire la salat, fais tes ablutions correctement et oriente-toi vers la direction, vers le Qibla, c'est-à-dire vers la Mecque, fakabbir, et dit Allahu Akbar. Non. Le troisième pilier parmi les piliers de la salat, c'est qira'atul fatiha. Lire la sourate al-fatiha. Car le hadith de Ubada ibn Samit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salat animan lam yaqra' bi fatihatil kitab.
il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas le prologue, la Fatiha. C'est un hadith véridique qui est rapporté dans Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, etc., Bukhari et d'autres. La relecture de la Fatiha, c'est un pilier de validité de la salat. Dans chaque raka'a, dans chaque unité de prière, toute raka'a dans laquelle il n'y a pas la Fatiha, c'est une raka'a qui n'existe pas. C'est une raka'a qui n'existe pas. Taïb. Maintenant, on va parler du cas où la personne, elle prie derrière l'imam. Sur ce point-là, les savants ont divergé en trois avis. Ceux qui disent que le ma'moum, le fidèle, ne récite rien, même quand l'imam récite à voix basse. Ça, c'est l'avis de l'Ahnaf, de l'école hanafite. Ceux qui disent que il récite quand l'imam récite à voix basse et il écoute quand l'imam récite à voix haute. Il récite quand l'imam récite à voix basse et il écoute quand l'imam récite à voix haute. Ça, c'est l'avis de l'Maliki, hein, du madhab Maliki. Et certains, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et Cheikh l'Albani, Et d'autres, le Hanabila, en fait, ils ont divergé. Le Hanabila, c'est l'école Hanbalite. Ils sont entre les deux. Certains, ils voient l'avis, le dernier avis dont on va citer. Certains, ils voient cet avis-là. Le dernier avis, c'est que c'est une obligation et un pilier de prier, de réciter derrière l'imam, qu'il lise à voix basse ou qu'il lise à voix haute. On parle de la Fatiha. Attention, pas les autres sourates. Les autres sourates, tout le monde est d'accord pour dire que quand l'imam il y a voix haute, tu écoutes. On parle juste de la Fatiha. Taïeb, ce dernier avis, c'est l'avis de Shafi'i, de ceux qui suivent l'école Shafi'i, de l'imam Shafi'i. C'est l'avis aussi d'une partie des Hanabila, de ceux qui suivent l'avis de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et c'est l'avis général des savants du Hadith. Et des savants du Hijaz, c'est-à-dire d'Arabie, comme l'Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz ou d'autres. Wadih ? Tayyib. Le premier avis, il est faible. Pourquoi ? Parce que quand l'imam ne récite pas, pourquoi le ma'moum ne réciterait pas ? Alors qu'il n'entend pas l'imam réciter. Qu'est-ce qu'il va faire tout le temps où l'imam y récite ? Il est dans l'insouciance, il va penser à ses affaires, à ses histoires. Qu'est-ce qu'il fait? Alors que l'imam, il récite à voix basse. Et même les hadiths qui parlent d'écouter l'imam, ils parlent du fait d'écouter l'imam. Donc quand l'imam récite à voix haute. Mais quand il récite à voix basse, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas. Donc à quoi ça sert? Donc le premier avis, il est faible. Le deuxième avis, il est mieux. Il est mieux. Mais Allahu A'lam, c'est pas le plus juste. La vie où il dit que tu récites quand il récite à voix basse et tu ne récites pas quand il récite à voix haute. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est pas le plus juste? Premièrement, tous les ahadiths qui nomment celui qui ne récite pas la Fatiha, sa salat est invalide. Et il n'a pas exclu ceux qui sont derrière l'imam. En fait, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc, il a généralisé, globalisé tout le monde. Tous ceux qui ne lisent pas la Fatiha, pas de prière. Deuxièmement, le hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé une fois la prière de l'Fajr. Donc, la prière de l'Fajr, c'est à voix haute ou à voix basse? À voix haute. Barakallahu fikoum. Écoutez bien ce hadith. Ce hadith, il est véridique, il est sahih. Et après avoir fini la salat, il s'est tourné vers les fidèles, vers les compagnons, il leur a dit, est-ce que vous lisez en même temps que l'imam? Les compagnons ont dit oui au messager d'Allah, on lit rapidement.
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, ne le faites pas sauf pour la Fatiha. Car il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Ce hadith, il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. Parce que Cheikh Al-Albani a rapporté que ce hadith, il est mansour, il est abrogé, c'est faible. Pourquoi ? Pour dire qu'un hadith, il est mansour, il est abrogé, il faut une preuve que l'un est avant et l'autre est après. Là, il n'y a pas de preuve. Deuxièmement, on ne dit pas, on ne va pas faire le nasr, on ne dit pas que quelque chose est mansour, un hadith, il est mansour, il est abrogé, tant que il n'y a pas de possibilité de, tant qu'il y a la possibilité de réunir entre toutes les versions des hadiths. Et ici, il y a la possibilité. Eux, ils se sont basés, ceux qui disent qu'on ne lit pas quand l'imam lit à voix haute, c'est d'autres hadiths où cette spécificité n'a pas été rapportée, sauf la Fatiha. Il y a des hadiths où il est dit, on lisait derrière l'imam, puis on nous a interdit de le faire. D'accord. Ce hadith, il est général. Et l'autre qu'on vient de citer, il vient préciser, on vous a interdit de le faire, sauf pour la Fatiha. Le hadith, il est clair. Alors, se baser sur ces généralités et délaisser la précision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée, c'est une erreur, wallahu a'lam. Donc, le plus juste, et Allah est plus savant, c'est que lire la Fatiha, c'est une obligation, que l'on soit seul ou que l'on soit derrière l'imam. Maintenant, je veux amener une petite précision. Ceux qui voient que c'est une obligation de lire la Fatiha derrière l'imam ont une divergence sur un point. Il y en a certains qui voient que c'est un pilier de la prière qu'on prie seul ou derrière l'imam. Et il y en a d'autres qui voient que c'est un pilier de la prière quand on prie seul, mais c'est une obligation quand on prie derrière l'imam, pas un pilier. Ça amène à quoi cette divergence? Je vais vous donner la khulasa. Ça amène à quoi juridiquement cette divergence? Ça amène que si tu entres et que l'imam est en inclinaison et tu dis Allahu Akbar et tu le rejoins en inclinaison, alors ta salat elle est valide pour ceux qui disent que c'est une obligation et non un pilier. Parce que l'imam rattrape les manquements des obligations des moumines, mais il ne peut pas rattraper les manquements qu'ils ont dans les piliers. Intabihu. L'imam rattrape les manquements qu'un fidèle a dans les actes obligatoires qui ne sont pas des piliers. Mais il ne peut pas rattraper les manquements qu'il y a dans les piliers de la salat. Wadih ? Ils se sont basés sur ça, sur le hadith de celui qui est venu. Il s'est mis en inclinaison loin derrière le rang et il a marché jusqu'au rang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la salat, il lui a dit « Zadakallahu hirsan » qu'Allah te rajoute de la vigilance « Wala ta'oud » mais ne recommence pas. Donc ils disent celui-là, il s'est incliné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de recommencer salat. Si c'était un pilier de la salat, il lui aurait dit de recommencer parce qu'il n'a pas récité la Fatiha. C'est clair ou non? Ceux qui disent que ça reste un pilier même derrière l'imam, ils disent, le hadith ne dit pas qu'il n'a pas récité la Fatiha. Peut-être qu'il a récité la Fatiha rapidement, il s'est mis en inclinaison et après il a marché. Rien n'est dit dans le hadith. On peut comprendre ça comme on peut comprendre l'autre. Donc, Allahu A'lam, le conseil que je vous donne, si vous avez le temps, vous récitez la Fatiha. Et après, vous avez le temps de rejoindre l'imam alors qu'il est en inclinaison, récitez-la avant de le rejoindre. Certains voient même que le mieux, c'est que tu ne le rejoignes pas en inclinaison. Comme ça, tu sors de la divergence. Tu récites la Fatiha. Si tu as le temps, tu le rejoins, tu le rejoins. Si tu n'as pas le temps, tu restes debout, tu laisses passer cette raka. Tu le laisses se relever. Et il te restera une raka à rattraper. Comme ça, Inch'Allah, tu sors avec sécurité. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وقل رب زدني علما